Voyageurs et voyageuses, bienvenue dans votre live. Coucou Méline, comment ça va? Alors aujourd'hui, au programme, les répliques de Ganyu. Encore une cryo. Alors ça va? Eh bien, moi ça peut aller, je dirais. Un petit mal de tête peut-être, mais à part ça, ça va. Alors, du coup, je lirai les répliques de Ganyu. Ensuite, on va continuer le livre de science-fiction qu'il y a dans Genshin. Une légende d'épée. C'est même pas un truc de samouraï. Oh là là, déception. Et après, du coup, il y aura les quiz habituels. Merci, Méline. J'ai même pas pris de Doliprane parce que le mal de tête a débuté il y a à peine quelques minutes. Et ça part pas. Donc je vais faire avec. Alors, après il y a dans les mini-jeux, il y a le nouveau qui est-ce des BG. Donc j'ai tout à l'heure sélectionné les 24 finalistes qui ont la chance d'être dans le nouveau qui est-ce. Il y en a 4 qui malheureusement n'ont pas pu faire partie des 24. J'annoncerai donc les éliminés. Ah oui, j'aime bien le dire comme ça, c'est plus rigolo, je trouve. Bon, bah, je le ferai tout à l'heure, ceci. Alors, on va commencer déjà la lecture des répliques de Ganyu. Alors, Méline, j'espère que les 4 partants sont pas les miens. Eh bien, parmi les 4 partants, il y en a un que tu ne considérais pas comme un BG. Moi, je suis très déçue, je l'aimais bien. Ah, tristesse. Bon, allez, je vais essayer d'oublier ma tristesse et lire donc les répliques de Ganyu. Je pense qu'il y aura certains trucs qui seront rigolos. Bon, alors ça va, oui, tout à fait. Alors, on va donc commencer les répliques de Ganyu. Secrétaire du pavillon Yu et Ai, du sang de Killing, la créature mythique coule dans ses veines. Première rencontre, je vois. J'ai relu le contrat, le voici. Je peux commencer aujourd'hui si... Oh, j'ai oublié de signer. Attendez, oh, mon nom est Ganyu. Voilà, c'est signé. Bien, maintenant, en quoi consiste le travail exactement? Déjà, commence bien. Elle signe un contrat, elle sait même pas ce qu'elle va faire. C'est du Ganyu tout craché. Bavardage, décontraction. On est bien ici. C'est très court comme réplique. Bavardage, écoute attentive. On peut entendre le pouls de la terre battre en s'allongeant et en écoutant bien. Eh bah, tu as une très bonne ouïe. Bavardage, inquiétude. Il me reste encore tant à faire. Est-ce vraiment le bon moment pour une pause? Mais fais une pause! Ah, elle en plus c'est un bourreau du travail. Quelle idée de travailler autant. Bon, après, elle n'est pas tout à fait humaine, donc je suppose que ça peut aller. Quand il pleut, inquiétude. Les fleurs de soie cultivées par la guilde des marchands de Feiyun ont besoin d'être arrosées régulièrement. Mais les gardes en charge du trafic se plaignent que les routes deviennent boueuses. Ah ben... Oui, je comprends maintenant, quand il pleut. Coucou Ruby, comment ça va? Donc aujourd'hui c'est Ganyu. Alors maintenant, quand il pleut, le chant des gouttes. On dirait le titre d'une musique. Comme c'est agréable d'écouter la pluie dans le patio, mais c'est un luxe que je ne peux me permettre. Mais fais une pause, Ganyu! Et tu pourras écouter tes gouttes d'eau après la pluie. Comment? Il fait jour déjà? Oh, quelle heure est-il? Et voilà, elle a encore trop travaillé. Il fait bon dehors. Ah, quel temps agréable. Donc toi ça va, et eh bien moi ça peut aller si je fais abstraction d'un petit mal de tête. Mais
Voilà, donc c'est pour ça que je vais me concentrer sur mes répliques à lire. Comme ça, je vais oublier mon mal de tête. Alors ensuite, c'était quoi ? Donc, il fait bon dehors. Ah, quel temps agréable ! Quand le vent souffle. L'odeur des lys vernis. Ah, elle a envie de les manger, hein ! Au réveil ! Bonjour, qu'y a-t-il ? Je suis mal coiffée ? Ne me regardez pas, mes cornes, comme ça ! Il faut pas regarder ses cornes, ça, là, ça l'embarrasse. À l'heure du déjeuner. Oh, c'est l'heure de la sieste. Si rien d'autre ne requiert ma présence, je vous laisse. C'est important de dormir, surtout quand on travaille autant qu'elle. Le soir. La ville est couverte de lumière. Je me demande, à quoi ressemble la vie des hommes ? Oui, vous voulez qu'on aille au marché de nuit ? Oh, excusez-moi, je préfère rester ici. Mais pourquoi elle s'est posée cette question si elle veut même pas y aller ? La nuit. Que le souverain de la roche vous protège et veille sur vos rêves. Ah, le souverain de la roche va veiller sur nos rêves. Très intéressant. À propos de Gagnou, ma responsabilité est de respecter mon contrat avec le souverain de la roche et d'assurer le bien-être d'autant de Liuin que possible. Voilà, quel sacré contrat. À propos de nos missions, j'ai terminé les tâches de la journée en avance. Restez plus tard ? Bien, je m'en occupe. Mais oui, continue à travailler. À propos de nous, requête. J'aimerais en apprendre tellement plus au sujet des hommes. Ce que vous pensez d'eux m'intéresse. Vous êtes différente. Moi aussi, je... Peu importe. À propos de nous, évaluation. Donc maintenant, on est à l'école. J'aimerais connaître votre avis sur la qualité de mon travail. La jugez-vous plutôt du niveau d'un coffre ordinaire ou d'un coffre luxueux? Je vous en prie, dites-moi, je peux supporter la vérité. Non, mais on va pas... Mais tu fais de l'excellent, hein. C'est même pas un coffre luxueux, c'est plus haut que ça. Voilà. À propos de l'œil divin. Avec le pouvoir vient le devoir. Le souverain de la roche, qui a porté le poids du passé sur ses épaules, a été forcé de dire adieu à la vie qui était sienne. Qui suis-je pour comparer mes responsabilités aux siennes ? Il a souffert comme nul autre à Liyue. Oui, quand on a un patron comme Utao, c'est sûr qu'on souffre. Pauvres Anglis ! Alors, quelque chose à partager. Cité des marchands aux 1000 navires, croisée des trésors et des mers, les gens aiment décrire ainsi Liyue. Mais la cité doit sa prospérité à l'effort de chacun. Et je fais tout mon possible pour être digne de cet esprit. Alors Ruby, vous avez invoqué sur les nouvelles bannières. Alors moi, je compte le faire la semaine prochaine. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore mes 113 pierres. Il faut toujours qu'il y en ait 113. Alors maintenant, détail intéressant, non. J'ai donné un nom à chacun des chiens de Liyue. Ça en fait des chiens. Certains ne répondent pas à d'autres noms que le leur. Par contre, ils ne sont pas bêtes. Je suis sûre que si quelqu'un m'appelait autre chose que mon vrai nom, je ne ferais pas autant attention. D'accord. Bon, ben on va essayer de trouver un nouveau nom à Gagnou, comme ça on va voir si elle vient ou pas. Détail intéressant, fleur de... Kingshin, peut-être. Les pétales de la fleur de Kingshin sont délicieux. J'en étais sûre qu'elle penserait à la bouffe. Alors, je le ferai à ma date fétiche et c'est pas maintenant. Ah, Méline, tu nous diras c'est quand la date fétiche. Je suis curieuse de le savoir. Alors, un vrai délice, c'est d'ailleurs pour ça que je n'ose pas en planter à la terrasse Yuding. Et si jamais je craquais un jour, comment c'est super mère ? Mais oui, où est le problème ?
Donc, Kenyu, ça ne la dérange pas de manger des herbes amères. C'est peut-être même mieux pour elle. À propos de Morax, confiance. J'accorde une confiance sans limite au souverain de la roche. C'est lui qui a mené l'attaque contre les démons et la terrible créature des mers. Et sauvé ces terres, je saurais me montrer digne de l'esprit qui l'anime et de l'amitié dont il m'honore. Alors, ma date fétiche, c'est un secret. Chut! Ah! Dommage! Alors, oui, j'ai eu Furina C1 sans vraiment le vouloir, dans la multi du désespoir, en voulant tenter d'avoir Charlotte, que j'ai pas eu. Je me suis fait harceler par Beidou. Ah, mince! Mais en plus, c'est 1, hein! Tu l'as eu à combien de Pity, alors? Peut-être que Charlotte va nous faire... C'était quel personnage aussi qui voulait pas venir la première fois? C'était aussi un personnage 4 étoiles qui ne sortait pas très souvent. C'était pas Gourou, je crois. Je crois que c'était lui que j'avais eu ce problème aussi. Et j'avais entendu dire qu'il y en avait d'autres qui avaient eu le même problème. Qu'ils essayaient d'invoquer sur la première bannière où il y avait Gourou et ils sortaient pas. Il y a toujours des personnages 4 étoiles comme ça qui sont rares. Alors, ensuite on passe à propos de Morax fidèle. Chaque décision du souverain de la roche est motivée par le bien de la majorité. Ce que j'admire du fond du cœur, j'aimerais lui ressembler, mais à trop vouloir marcher dans ses pas, je cède parfois à la pression. Elle va donc manger des herbes. Je suppose. À propos de Ningguang, il est du devoir de chaque maigresse d'amender les textes législatifs des générations passées. Ningguang, la maigresse actuelle, est d'une efficacité sans égale dans ce domaine. Mais ça ne l'empêche pas d'être la cible des critiques de certains. Il y aura toujours des insatisfaits, j'imagine. Alors, Méline... Mais Furina C1, c'est trop bien. Après, dommage pour Charlotte, je te souhaite de l'avoir avant la fin de la bannière. Oups, c'est vrai ça. Il doit rester combien? Il reste une quinzaine de jours, je crois. Donc, ouais. Ben, reste un peu de temps. J'espère qu'il te reste encore quelques pierres. Sinon, il va y avoir encore des Beidou, je sens. Alors, à propos de Ketching Barrière. Son attitude vis-à-vis du souverain de la roche n'est pas acceptable. Mais voici exactement le genre de personne dont Liyue a besoin, Ganyu. Pour citer justement le souverain de la roche, le sens caché de ses paroles m'échappe encore parfois, je l'avoue. Mais j'y arriverai un jour. J'y arriverai. Coucou Luma! Comment ça va? Donc voilà... Réplique de Ganyu aujourd'hui. À propos de Ketching Perspective. Elle est venue me voir il n'y a pas longtemps pour discuter d'un projet de rénovation des artères commerciales du côté de la rivière Bifui. Et m'a même demandé ce que ferait le souverain de la roche. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on a mis sur pied un plan aussi bon que lui l'aurait fait, mais je dois bien avouer que de la voir au travail, à faire seuls les calculs préliminaires, je la comprends un peu mieux. Alors, Ruby. Comme tout à l'heure, oui. Je suppose que ça n'a pas changé depuis tout à l'heure, Luna. On sait jamais, hein. Moi, depuis, ça ne va plus aussi bien. J'ai un petit mal de tête, maintenant. Mais bon, ça commence à passer petit à petit. Alors Ruby, j'ai mis 110 vœux au total, j'ai Erlimona entre 20 et 30, ah, puis Furina en pity normale, j'ai hors focus le 4 étoiles dans la multi de Furina du coup, j'ai tenté une multi et la C1 s'est pointée sérieux, j'en ai eu 8 des Beidou et qu'une seule collègue. Même collègue, elle se fait désirer alors. Eh ben,
Bah, j'espère que tu arriveras à avoir Charlotte avant la fin. Parce qu'elle avait l'air très intéressante. Hein. J'ai hâte de faire des photos avec elle. Si elle se pointe, bien sûr. Parce que si elle nous fait une gourou, on attendra la prochaine bannière, je suppose. À propos de Xingqiu. Ah, le jeune homme de la guilde des marchands de Feiyun. Il n'est pas aussi investi dans les affaires que son père et son frère. Il a sûrement d'autres préoccupations. Enfin, ce n'est que mon avis. Et on se demande quelles sont ses préoccupations à ce Xingqiu. À propos de Xianling. Xianling, tout le monde la connaît, mais je n'aime pas trop aller du côté du restaurant Wanmin. Ce n'est pas un secret après tout. Ça sent juste trop bon. Et il suffit que je m'en approche pour me retrouver à commander. Ne serait-ce qu'un plat de légumes. Et c'est fini. Ah, pauvre Ganyu. À propos de Beidou, tiens, on va parler donc d'elle. Les gens de la terrasse Yujing n'arrêtent pas de se plaindre de l'équipage du Crux ces derniers temps. Mais à mes yeux, la contribution de la capitaine Beidou dépasse de loin tout ce que pourraient imaginer tous ces colporteurs de rumeurs. Oh pardon, j'ai pensé tout haut. Mais vas-y, insulte-les. Ils sont pas gentils avec Beidou. À propos de Yao Yao. Yao Yao, une de mes connaissances au bureau des affaires civiles m'a chargé de prendre soin d'elle. Et de veiller à ce qu'elle ne remonte pas à bord d'un navire. Si ça relève vraiment de la responsabilité du bureau, ma foi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce navire pour que Yao Yao n'y retourne pas? À propos de Chao, il maintient toujours une certaine distance avec ceux qui l'entourent. J'imagine que c'est inévitable, au vu de sa nature. Je peux le comprendre, mais je n'arrive pas à briser cette distance. C'est juste que celui qui partageait son contrat n'est plus ici aujourd'hui. Ah, tristesse. À propos de Yomfei. Ah, Yomfei, même quand elle n'était qu'une petite fille innocente, elle me disait qu'il faut savoir tenir ses promesses pour vivre heureuse. C'est aujourd'hui une femme aussi belle et élégante qu'elle est douée. La tâche de conseillère juridique est ardue, mais elle a toujours l'air de n'avoir pas un souci au monde, ce qui a le mérite de m'apaiser. Alors Ruby, j'avais déjà Beidou C6 en plus. Je vais voir. Je ne sais pas si je tente la C2 ou l'arme de Furina. J'adore le perso. Ayaka est en danger. Ah, pauvre Ayaka. Mais je comprends. À propos de Chang'e. En fait, je ne la connais pas très bien. J'ai entendu d'elle que des bribes de souffle-nuage. D'après ce que j'en sais, elle peut être assez féroce. Chaque fois que son tempérament prend le dessus, elle risque de tout détruire autour d'elle. Je me demande si c'est simplement parce qu'elle s'ennuie. Devrais-je lui recommander un travail pour l'occuper un peu? Peut-être juste qu'elle ne sait pas maîtriser sa force. Maintenant, à propos de Yelan. Même si Mademoiselle Yelan est absente à son travail la majeure partie de l'année, je suis sûre que Ni Wang doit avoir ses raisons pour lui accorder ce traitement préférentiel. Bien sûr, ce n'est pas à moi de lui demander. Donc, je ne connais pas les détails de leur arrangement. Je me souviens l'avoir vue un jour en rentrant au pavillon Yu Wei. Elle prenait le petit déjeuner avec un groupe de gens. Ils parlaient, riaient, mangeaient et buvaient du thé. Je dois admettre que je l'ai un peu enviée à ce moment-là. Coucou Mathieu, comment ça va? Donc, aujourd'hui, c'est les répliques de Ganyu. Alors maintenant, connaître Ganyu numéro 1. Alors, super bien, et toi? Alors, ça allait au départ. Après, j'ai eu un petit mal de tête et ça commence à passer. C'est bien! C'est bien de se concentrer sur les répliques, comme ça, la douleur part.
Alors maintenant, connaître Gagnou numéro 1. Une tâche urgente, n'en dites pas plus. Faites-moi une note et posez-la ici, je m'en occupe. Merci Mathieu. Alors ensuite, connaître Gagnou numéro 2. J'aimerais en apprendre plus à votre sujet. Première fois que j'ai à traiter ce genre de requête. Je peux réciter mon rapport de fin d'année. Non, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas faire l'affaire. Ok. Donc, Gagnou, elle se fait draguer et elle n'a pas compris. ensuite, connaître Gagnou numéro 3. J'y réfléchis et je fais mon travail. Il n'y a pas de honte à avoir. Si vous voulez vraiment le savoir, ce sont mes cornes que vous voyez là. Du sang de Killing coule dans mes veines. Merci de signer cet accord de confidentialité, par contre. Que cela reste entre nous. Oui. Je vois pas c'est quoi qui est confidentiel. Elle a ses cornes, on les voit. Hein. Donc c'est évident qu'elle n'est pas vraiment humaine. Alors ensuite, reconnaître Gagnou numéro 4. Je suis autant humaine que Killing. Et après toutes ces années, j'ignore encore si j'ai vraiment réussi à m'intégrer à la vie locale. Peut-être que je ressemble à ces dendroblobes qui se cachent sous terre et que m'enterrer sous une pile de travail est ma façon de fuir. Oui, c'est une façon de voir les choses, mais quand même un dendroblobe te ressemble pas du tout. C'est une image assez bizarre. Et donc on passe maintenant à connaître Gagnou numéro 5. Merci de m'avoir écouté. Depuis que je vous connais, j'ai dû parler autant qu'au cours de ces 10 dernières années. Qui sait, si je maintiens ce genre d'entraînement, je pourrais peut-être devenir plus qu'une simple secrétaire. Quelques centaines d'années à pratiquer devraient bien finir par payer. Ok, j'ai beaucoup de peine pour Gagnou. Elle a donc, là, toutes les répliques qu'elle vient de dire... Elle a dépassé son quota des 10 dernières années. Imaginez. Elle parle pas beaucoup. Hein. Alors maintenant, on va passer... Les loisirs de Gagnou. Mais les loisirs, eh bien, le travail. Comment ? Tout sauf le travail. Pourquoi donc ? Quelque chose qu'on aime faire et dont on retire... et dont on en retire de la joie. Ça ne colle pas ? Pour moi, c'est le travail. Je ne vois pas où est le problème. Mais si c'est un problème, le travail n'est pas un hobby. C'est un travail. Bon, bah on ne voit pas les choses de la même manière, je suppose. Et maintenant, les problèmes de Gagnou. Pourquoi les hommes font-ils toujours passer leur propre existence avant celle des autres ? Les exemples sont légion. Avoir la chance d'exister ne suffit donc pas. Eh bien, parce qu'ils sont cons, je suppose. Ils aiment se compliquer la vie. Hein ? Les hommes. Les humains, ils aiment faire ça. Toujours des guerres. Bon, après, on n'est pas là pour discuter de ce genre de choses. Alors, ensuite, les plats préférés. Ne bois que de l'eau de source et ne mange que des graines. De l'eau de source et des graines. C'est la règle que je suis. Je vous serai donc particulièrement reconnaissante si vous pouviez retirer ce plat de ma vue. Alors quelque chose me dit que c'est des petits légumes délicieux. La pauvre, elle n'a pas envie de regrossir. Plat détesté. Les gens de mon peuple sont de stricts végétariens. Excusez-moi si je refuse ce plat. Oui, même si c'est juste quelques traces dans un plat de légumes, je ne peux pas. L'odeur, donc c'était de la viande. Ah oui, la pauvre. C'est peut-être des congénères qu'il y avait dans l'assiette. Cadeau reçu numéro 1. C'est un tel délice. Oh non, je crois que j'ai trop mangé. Oui, il fallait pas bouffer cette salade. Cadeau reçu numéro 2. Je suis plutôt exigeante en matière de nourriture. Excusez-moi. On comprend, tu veux pas grossir. Cadeau reçu numéro 3. Votre intention est bonne, mais c'est de la viande.
tant pis. Mais pourquoi voyageur tu lui as donné ça? Ou plutôt voyageuse, moi pas le voyageur. Il lui a donné de la viande, mais quelle idée, elle est végétarienne. Anniversaire! Joyeux anniversaire! Et dire que je n'ai rien préparé, alors que vous êtes toujours si prévoyante envers moi. Qu'est-ce que j'ai dans la main? Oh, vous avez vu? C'est un gâteau aux fleurs de Klingsin. J'ai vraiment fait de mon mieux. Mais voilà, le résultat. Vous aimez vraiment? Un gâteau aux fleurs. Délicieux! Affinité faible. Le combat, ça fait longtemps. Affinité moyenne. Peut-être existe-t-il un moyen pacifique de résoudre ça, non? Rien? Affinité élevée. Ainsi va la vie, j'imagine. Je comprends. Je ne me plaindrai pas. Affinité max. Je me souviens avoir lu dans un ancien ouvrage la phrase suivante. Craignez le Kilin qui se bat. C'est exagéré, vraiment. Mais si vous avez besoin de moi au combat, je donnerai tout ce que j'ai. Oui, même si elle n'aime pas se battre. Et maintenant, on passe aux répliques de combat. Compétence élémentaire numéro 1. Patouche. Ok. Ça me fait penser à une publicité. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Don't touch me. Je ne sais plus de quoi c'était. Je crois que c'était une boisson. Bon, on verra. Compétence élémentaire numéro 2. Accès interdit. Pourquoi accès interdit? Compétence élémentaire numéro 3. Progéniture de la glace et du froid. Elle vient de faire un enfant peut-être? Déchaînement élémentaire numéro 1. Bizarre. Et le numéro 2. Déluge de glace. Numéro 3. Cette tâche devait être terminée depuis longtemps. Numéro 4. Pour le souverain de la roche. Oui! Je suis tout à fait neutre dans cette lecture, bien sûr. Début de sprint numéro 1. La prochaine tâche. Numéro 2. Je vais y arriver. Fin du sprint. L'exercice, c'est bon pour la santé. Et aussi pour maigrir. N'est-ce pas, Gagnou? Ouverture de coffre numéro 1. Il n'y a rien de mal à récolter une récompense de temps en temps. Numéro 2. Les beaux trésors sont une cause Les beaux trésors sont une cause de grand bonheur. Ouverture du coffre numéro 3. Peut-être que celui qui a laissé ça derrière lui remplissait également un contrat. Peut-être. C'était peut-être un brigand, donc on s'en fiche. PV faible numéro 1. J'ai perdu le coup de main. Numéro 2. Eh, j'ai fait une erreur. Numéro 3. J'ai besoin de me reposer. Compagnon avec PV faible numéro 1. Veuillez reculer, je vous prie. Ah, Gagnou, elle va s'occuper du mob. Et numéro 2. Voyons. Point d'attaque sans planification préalable. Elle va nous faire une stratégie de ouf. KO numéro 1. Toutes mes excuses, souverain de la roche. Elle n'a pas suivi le contrat. Numéro 2. Je n'ai pas encore rempli mon contrat. Et voilà. Et numéro 3. Je dois tenir un peu plus longtemps. Oui, mais c'est fini maintenant. Attaque légère subie. Je ne l'ai pas vue. Ah, ça fend le cœur. Attaque puissante subie. Je peux encore me relever. Ajout dans l'équipe numéro 1. C'est l'heure de travailler? Non, on va faire un petit combat. Numéro 2. Quels sont vos ordres? Et numéro 3. J'honorerai notre contrat. Bon, et bien voilà. Hein. Les répliques de Gagnou. Ça parle de travail. De travail et un petit peu de plantes végétales. Pour résumer. Alors, qu'avez-vous pensé des répliques de Gagnou? Pendant ce temps, je vais donc passer à la suite du livre de la semaine dernière.
un livre de science-fiction qu'on retrouve dans Teva, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Ruby, elle ne sait faire que travailler Ganyu. Ouais, c'est le meilleur des résumés, je pense. Elle travaille trop. T'as raison, Méline. Elle fait que travailler. Il faut qu'elle aille prendre l'air, quoi. Il faut pas tout le temps rester au bureau. Alors, ensuite. Non, c'est pas ici. C'est là. Alors, ouvrage. Donc, on va chercher une légende d'épée. Ah, il est là. Bien. Alors, je ne me rappelle plus c'était à quoi qu'on était. Je crois que c'était les deux premiers tomes. Alors, je vais juste regarder un instant mon petit tableau où je note tout. Ah, si j'avais pas ce tableau, qu'est-ce que je ferais? Je m'emmêlerais les pinceaux, je pense. Alors, du coup, pour aujourd'hui, c'est donc le tome 3 et 4. Alors, le tome 3. 10 ans plus tôt. À 25 années-lumière. Ah! Enfin un truc qui ressemble un peu à Teva. Sous le règne du shogunat de Suruga, les cris d'angoisse résonnaient dans les rues et le peuple souffrait profondément. À cette époque, le shogunat de Suruga était dirigé par le shogun Seitai. Imagawa Ujizane, 4 ans auparavant, après avoir finalement vaincu le roi démon Donjushu, le propre règne de terreur du shogun Tai commença. C'est à cette époque et en ces lieux qu'un épéiste libre et sans contrainte parcourait ces terres. Il s'appelait Bichu Kyubei et était connu du peuple comme Shinkuru le justicier. Bichu Kyubei n'était pas un simple roni, un ronin. On raconte qu'il était autrefois le stratège le plus fiable de son excellence le shogun Tai, jusqu'à ce qu'il soit un jour piégé par un rival. À présent, Bichu Kyubei se tient sur la montagne, les yeux parcourant l'horizon. Mais qu'observe-t-il réellement? La vaste étendue des champs? Non. La chaîne des montagnes au loin? Non. S'agit-il de la route s'étirant devant lui? Oui, cependant, ce n'est pas tout à fait cela. Que Bichu Kyubei observe-t-il donc réellement? Les paysans qui avaient payé l'épéiste avec du riz en échange de ses services étaient paralysés par la crainte, trop effrayés pour lui poser la question. Il semble que seul l'épéiste silencieux a la réponse à cette question. Donc c'est bien, maintenant il n'y a plus de science-fiction, ça change. Alors l'automne arrive, la saison des récoltes est presque là, déclara Saitu Onisa. Les ninjas étaient des individus dangereux, experts de l'instinct de survie et doués pour éviter le danger. Dans les temps de guerre et de crise, ils travaillaient comme mercenaires pour les daimyo. Ils étaient nés dans la guerre et tiraient leur force des puissants maîtres pour lesquels ils travaillaient. Telle était la voie du ninja. La voie du ninja impliquait aussi de tomber dans la désillusion et d'être déplacé une fois la guerre terminée, voire de courir à leur perte dès qu'ils perdaient le puissant soutien dont ils bénéficiaient. Lorsque le shogun Imagawa Tai unifia le pays, les ninjas devinrent des chiens de chasse qui avaient dépassé leur mission initiale. La plupart étaient exécutés ou enrôlés dans l'armée du shogunat. Certains réussirent à s'échapper et disparurent dans la nature pour se consacrer à une vie de banditisme. Telle était l'histoire de Saitu Onisa. Il n'y a rien qui presse, attendons que les villageois terminent la récolte du grain pour nous. Celui qui venait de s'exprimer se prénommait Yonemata Tasuke. Les bandits étaient soit des samouraïs qui s'étaient éloignés de la voie du guerrier, ou des paysans qui se battaient pour rester en vie. Eux aussi étaient nés dans la guerre. Ils tiraient leur force de leur ruse, ce qui les
enhardissaient pour arpenter les terres de manière incontrôlée. Lorsque la guerre fut terminée et que la paix s'installa, la source de leur pouvoir disparut. Comme des éphémères, ils s'évaporèrent. Comme des éphémères, ils s'évaporèrent, aussi vite qu'ils étaient venus. Yonemata Tasuke était né dans une famille de paysans ordinaires. Se tournant vers le banditisme vers ses 40 ans, malgré son âge, il possédait de l'aplomb et se distingua rapidement comme meneur. Les plus terribles des bandits sont ceux qui ont eux-mêmes souffert de l'oppression. Puis on brûle tout, ne laissez aucun survivant. Sa voix annonçait un âge de trouble. Ah, et donc on va continuer la suite la semaine prochaine. Il faut garder un peu de suspense. Donc c'est très étrange la manière dont ils ont commencé l'histoire. D'abord ça parlait d'un truc dans les galaxies lointaines, l'espace quoi. Et maintenant ça passe sur des samouraïs, des ninjas. Bon, peut-être qu'on en saura un peu plus dans la suite. Alors, on va maintenant passer au quiz. Est-ce que tout le monde est prêt pour le quiz ? Oh, Jira, de retour ! Alors, Yaoro Mina Daijoubu Desuka ? Ça faisait longtemps, oui ! Ça faisait longtemps que je n'ai pas dit bonjour et comment ça va comme ça ? Comment ça va tout le monde ? Eh bien, je me disais justement la même chose, que ça faisait longtemps qu'on n'entendait pas cette phrase. Eh bien, Jira, depuis tout à l'heure, j'avais un petit mal de tête. Il commence à passer, mais je le sens, il est là, il toque à la porte à chaque fois. Et donc, là, je viens de terminer les répliques de Ganyu, et aussi la suite du livre de la semaine dernière, qui est une légende d'épée. Ça commençait par une histoire dans un cosmos, dans l'espace, quoi. Oui, de la science-fiction. Et ensuite, maintenant, sur le tome 3 et 4, ça parle de samouraïs et de ninjas. Il n'y a pas vraiment de cohérence, mais bon, on verra peut-être dans les deux derniers tomes que je lirai la semaine prochaine. Alors maintenant, on va donc passer au quiz. Alors, pour le quiz, donc on va commencer comme d'habitude par celui de Genshin. Donc je vais charger le quiz. Alors, juste un instant, je crois me rappeler qu'il y a un truc que j'ai oublié de faire. Oui, j'avais en effet oublié. Alors, je vais déjà charger le quiz. Alors, quiz Genshin, le voilà. Alors, avant que je le charge... Ce dont j'ai oublié, c'est pour la question 4 où il faut deviner une image, une photo. J'ai oublié de mettre l'image. Alors, toc, donc ça, c'est bon, je suppose. Alors peut-être que c'est un peu trop grand. Voilà, ça sera mieux. Toc. Et... Ah non, ça c'est la réponse. Ah. Bon, c'est pas ça encore. Alors, hop. Je vais réussir. Encore à quelques instants. Et voilà. Je savais que j'avais oublié quelque chose, mais je me rappelais plus c'était quoi. Donc voilà, c'est bon, maintenant j'ai mis l'image. Alors, donc Jira, je me renouvelle avec de l'ancien, je suis pas prévisible. Ah dommage pour le mal de tête, mais tant mieux si ça passe. Mais non, c'est totalement logique, des ninjas et des samouraïs de l'espace. Oui, c'est logique. Allez, on commence le quiz. C'est parti. Quiz Genshin Impact, let's go! Allez, on commence la question numéro 1. À Mondstadt, combien y a-t-il de statues des 7 anémos? Des 7 en anémos, donc.
Alors, je précise, parce que c'est très important, il faut aussi prendre en compte celles qui étaient à l'envers. Voilà. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas donné d'indices comme ça. Alors attention, la réponse à la question à Mondostadt, combien y a-t-il de statues des sept en animaux? Eh bien, la réponse, c'était donc 6. Donc sur la map, on en voit 5. Et donc, c'était dans un donjon vers le début de l'histoire qu'on avait la sixième statue, qui est donc celle qui est à l'envers. Voilà. Ça faisait longtemps que je ne mettais pas cette question. Donc c'est normal si quelqu'un a oublié. Alors maintenant, on va donc passer à la question numéro 2. Combien y a-t-il de donjons de la conquête actuellement? Les donjons de la conquête, c'est les World Boss. Alors, vous avez donc le choix entre 6, 8, 10 ou 12. Alors, combien il y en a? Pour vous donner des exemples, il y a, je crois, la baleine dedans, la dernière. Il y a le dragon salade. Très bon avec des petites tomates et de l'huile d'olive. Magnifique. Et ensuite, il y a aussi Asda. Ah d'ailleurs, en parlant de Asda, je viens de m'en souvenir à l'instant. C'était pendant la semaine, justement. J'étais en train de travailler et du coup, il y avait le do dossier d'une cliente que je devais m'occuper. Et elle s'appelait Madame Asda. Alors, t'appelles la quête de la statue inversée une quête de début de jeu? C'était pendant une quête et on rentrait dans un donjon. Et c'est que là-bas qu'elle était. T'appelles la quête de la statue inversée une quête de début de jeu? C'était plutôt vers le début, quoi. Mais c'était pas au début du jeu, enfin bref. Mais si tu compares par rapport à tout ce qu'on a depuis, pour moi, Mondostadt, c'est le début. Alors, c'est la quête de Denlef. Non, pas celle de Denlef. Je parle vraiment celle qui était à Mondostadt. Celle où on était, où il y avait Lisa aussi. Non, c'est pas Lisa, c'était un autre. Mais c'était à Mondostadt que ça se passait. C'était juste celle avant d'Inazuma. Quand il y avait Denlef, c'était encore autre chose, je crois. Mais passons. Donc, la réponse à combien il y a de donjons de la conquête actuellement, c'est donc 8. Bah on passe du coup à la question 3 à présent. Aritu, il existe un PNJ qui nous donne un steak suspect après avoir parlé avec lui. Quelle est sa particularité? Il est très intelligent, il est amoureux, il est très flemmard, il aime manger. Alors Jira, c'était pas au début de jeu, conclusion. Alors, tu dis donc que c'est un flemmard? En es-tu sûr? Alors, pas du tout, me souviens pas de ce mec. Ah ben, c'est peut-être parce que tu lui as pas parlé. Et donc, ce mec, il était amoureux. Oui! Il était amoureux et il nous a donné un steak. Après, je sais plus trop c'était quoi l'histoire dans tout ça.
Alors, la statue animaux volée à l'envers, c'est une des quêtes de Dain. J'ai assez galéré à sortir-en avec les bulles de. Ah! Donc c'était dans sa quête à lui alors? Mais on est d'accord que c'était à Mondostadt. Alors, pour la question 4, avant que j'oublie, je vous mets donc l'image du lieu. Depuis quel endroit a été prise la photo suivante? Vous avez donc le choix entre le chemin de l'espoir, tranchée Elton, plaine Salacia ou gouffre de Talata. À ne pas confondre avec Taratata. Alors, oui, mais excuse-moi, Ryu, je n'agresse pas toutes les personnes que je trouve dans la rue, contrairement à d'autres, il semblerait. Bah, je sais pas, moi, quand j'arrive dans une nouvelle ville, bah, je discute avec tous les PNJ. Alors, depuis quel endroit a été prise la photo suivante? Je suppose qu'ils ont dû s'en inspirer, oui. Et donc, la bonne réponse, c'était le gouffre de Talata. Et oui, Ryu, c'était à Mondostadt et à Liyue. C'était entre les deux, alors, ou c'était dans les deux? Maintenant, vous commencez à me mettre le doute. Alors, le gouffre de Talata, c'est donc là. Et si vous voyez bien, il y avait du coup le téléporteur juste en bas. Qui pouvait aider? Parce que dans les autres, il n'y a pas forcément le téléporteur à cet endroit précis. Superbe concert. Elton John. Alors on passe du coup à la dernière question. Ça se fait dans les deux rues. Ah, bah j'ai oublié la partie Alleyway alors. Je me rappelais que de Mondostadt. Alors question numéro 5. En battant 6 samouraïs et 2 Oni, il est possible de débloquer un succès. Vrai ou faux? Alors, de plus, c'est pas au début de jeu, c'est plus le milieu par rapport à maintenant. Ah! Bon, eh bien, c'est pas au début du jeu, hein, mais. Vous savez, moi, la partie du début. Alors, ma réponse, les petits points. Ok. Eh bien, c'était vrai. Et si jamais personne ne l'a fait, j'ai un tuto que j'avais trouvé pour avoir le succès en question. Alors, on va voir maintenant les résultats. Et donc, bon, moi, on ne va pas compter, hein. Méline, 10 000 points et Ruby, 8 000. Et Jira, eh bien, tu n'as pas eu beaucoup de bonnes réponses, je crois. Yeah, elle a avoué, je peux m'en aller de ce bonne journée tout. Non, tu restes! Il y a le quiz absurde maintenant. Alors, hop. Là, et donc. Il y a le quiz absurde maintenant. Hey! Culture absurde, pour dire en entier. Et il y a le chèque après. Oui! Alors, c'est pas tout à fait un chèque, c'est de l'augmentation. C'est 50% sur zéro. Elle est belle l'augmentation, hein? Alors. Bon, ça charge encore et toujours. On commence à la question numéro 1. Combien mesure la plus grande espèce vivante sur Terre? Vous avez donc le choix entre 500 mètres, non, 100 mètres, 500 mètres, 1 km ou 2 000 km. Voilà. Alors, à votre avis, c'est quoi le plus absurde? Parce que c'est ça, en fait, la culture, absurde.
500 mètres. Ok, donc 500 mètres pour Jira. Et pour les autres, on va voir tout de suite combien ça va être. Et après, je vous raconterai la petite histoire. Et donc, la bonne réponse, c'était 2000 km. Oui. 2000 km, c'est ahurissant et c'est vrai. La plus grande espèce vivante sur Terre est la Grande Barrière de Corail. Elle mesure 2000 km. Oui, c'est bien vivant. Et la barrière de corail, c'est une espèce vivante. Eh zut, eh oui. Et donc voilà. Maintenant, vous le saurez. Mais ils ont pas d'âme, les arbres. Ben, on a dit espèce vivante, on n'a jamais dit qu'il fallait qu'ils aient une âme. Alors maintenant, attention, le prochain. Toujours dans les végétaux. Combien peut pousser un bambou en une seule journée? Vous avez donc le choix entre 5 cm, 33 cm, 91 cm ou 2 mètres. Alors, vu comme ça, en plus, j'en ai fait des expos en anglais. Ah! Que les plantes aient des âmes. Ou sur la muraille de corail, je sais plus comment on l'appelle. Alors attendez, j'ai déjà oublié c'était quoi le nom de cette chose. La barrière de corail, voilà. Alors attention, la réponse à combien peut pousser un bambou en une seule journée, c'était 91 cm. En une seule journée, et ça fait l'équivalent de 33 pouces. Ça pousse vite, hein, le bambou. J'étais surprise quand je l'ai lu. Oui, tout le monde s'est fait avoir. Mais il fallait choisir le truc le plus absurde. Bon, après, sauf pour le bambou. Alors maintenant, le prochain. Encore un autre truc absurde. Qu'a fait un homme pour aller faire la fête, du coup, j'ai oublié le là, avec ses amis? Il est parti en douce, il a feint sa propre mort, il a feint son propre enlèvement, il a feint une grave maladie. Alors, à votre avis, qu'est-ce que cet homme étrange aurait pu faire pour aller faire la fête avec ses amis? Son propre enlèvement? Donc toi tu dis ça, ok, j'irai. J'en prends note. Et c'est la bonne réponse! Oui! Alors, l'histoire maintenant. En 2013, Rogelio Andaverde fut enlevé à son domicile sous les yeux de sa femme par deux hommes masqués portant des armes. Heureusement, il est rentré 2 jours plus tard, sain et sauf. On a découvert plus tard qu'il avait feint son propre enlèvement simplement pour aller faire la fête avec ses amis. Mais quel con! Oui, c'était ça, la bonne réponse. Allez, maintenant, on va donc passer à la question numéro 4. Qu'a fait le royaume de Thaïlande pour que le prince né aux USA soit thaïlandais? Ils ont payé une grosse somme aux USA, ils sont revenus en Thaïlande avant l'accouchement, ils ont déclaré le lieu de naissance territoire thaïlandais, ils ont donné plus tard la nationalité thaïlandaise. Donc Jira, t'as eu une bonne réponse pour l'enlèvement. Tout le monde l'a eu. C'est bien. Tout le monde a eu pareil. Et donc maintenant, on va voir pour ça, pour le prince qui est né aux USA, si vous avez trouvé la bonne réponse. Alors, je pense qu'ils ont peut-être même divorcé, hein, parce que là, faire son propre enlèvement.
pour aller faire une fête. Et donc la bonne réponse, c'était bien sûr, ils ont déclaré le lieu de naissance territoire thaïlandais. Alors c'était donc Bhumibol Adulyadej, le roi de Thaïlande, est en fait né à Cambridge, dans le Massachusetts, aux États-Unis, en 1927. À sa naissance, la chambre dans laquelle il est né fut brièvement déclarée territoire thaïlandais pour qu'il puisse naître en terre thaïlandaise. Coucou Tao! Ça fait longtemps que je suis pas venue. Oui, c'est vrai ça. T'arrives vers la fin. Il reste plus qu'une seule question, Tao. Tu pourras pas réussir à être en négatif. Je suis désolée. Du coup, on passe à la question numéro 5, la dernière. Qu'est-ce qui peut rebondir plus haut qu'une balle de caoutchouc lancée depuis la même hauteur? Vous avez donc le choix entre une balle en carton, une balle de verre, une balle de papier, une balle de plastique. Alors, j'ai déjà entendu parler de l'histoire du prince de Thaïlande. Ah, tu en avais entendu parler, Ruby. Ok. Je savais pas qu'elle était célèbre, cette histoire. Alors, Jira, coucou Tao, comment ça va? J'ai une photo pour toi dans le Sanrio si tu veux. J'y ai mis tout mon cœur. Non, pourquoi tu as dit ça, Jira? Il faut pas! Tao, ne regarde pas le son micro. Et donc, la bonne réponse, c'était une boule de verre. Oui, c'est bizarre, et je vais donc maintenant vous lire. C'est un test scientifique qui avait été effectué. Une boule de verre peut rebondir plus haut qu'une balle en caoutchouc si on les lance de la même hauteur. Une boule d'acier peut même rebondir plus haut qu'une boule de verre. Voilà. C'est bizarre. Je ne comprends pas non plus comment ça se fait que ça rebondit, mais c'est ce qui est écrit sur le bouquin. Et si jamais donc vous voulez ce magnifique livre avec tous ces machins absurdes à savoir, eh bien dites-le moi, je vous donnerai le titre. Et donc, tout le monde a réussi à être en négatif. Bien joué! Moi je ne compte pas parce que je mets toujours les bonnes réponses, bien sûr. Que je peux faire une carrière artistique. Ah! Peut-être de parodie alors, Jira. Mais pas artistique. Alors, Jira, tu as même réussi à être en négatif. Mais comment tu as fait? J'ai réussi le négatif en une question. Oh là là, c'est trop bien. Ça semble pas bizarre, le verre, en fait. Ça peut aller loin et haut quand ça tombe. Ah, d'accord. Je l'ignorais. Eh bien, du coup, maintenant, on va passer à la suite. C'est donc la partie 2. Je vais vous mettre du coup le sondage. Alors, juste un instant. Après, si vous voulez faire une chose en particulier, vous me le dites. Comme les events qu'il y a en ce moment, les abysses. Un qui-est, par exemple. C'est pas comme s'il y avait un nouveau qui-est avec les BG. Pas du tout. Alors, je vais mettre le sondage. Voilà, c'est parti. Donc, vous pouvez voter maintenant. Oui, il y est. Il y est, Tao. Bon, ben, j'aurais dû le dire dès le début, je suppose. La prochaine fois, je dirai les BG qu'il y a dans le qui-est. Je pense que j'aurai plus de chances d'avoir des votes.
Bon, bah, on va clôturer le vote, parce que je suppose qu'il va pas y en avoir d'autres. Ah bah si, il y a le vote suisse, ok. Bon, mais on va laisser gagner ceux qui veulent le qui-est. Alors, je ferme le sondage. Terminé par de manipulation. Non, c'est faux. Et donc, pour le premier qui est, Jira, tu ne pourras pas jouer parce que c'est celui que tu as donc proposé. Alors, on va donc commencer. Voilà. Donc, vous avez les Sumeru de la semaine dernière et j'y ai ajouté ceux de Fontaine. Alors, donc, si je prends l'ordre d'arrivée, Jira, c'était toi le premier, mais là tu ne peux donc pas jouer parce que c'est le tien. Alors je voulais étendre à une semaine la pépé chaussette. Eh ben tu pourras pour la deuxième partie, parce que le deuxième c'est Luma qui a choisi. Ça faisait un que j'ai pas joué au Kies. Ah bah tu vas pouvoir tester le spécial Kies Genshin. Alors donc j'ai noté l'ordre d'arrivée, parce que c'est comme ça qu'on fait pour jouer. Et donc, après Jira, c'était Mei. Méline, à toi l'honneur. Quelle est la première question? Liné. Non mais, pourquoi directement le nom d'un personnage? T'es vraiment sûre? Mais ça va. Hein, Méline? Tu es vraiment sûr de vouloir dire directement le personnage dès le début? Oui, sûr. Bien. Donc c'est ton dernier mot, je suppose. Eh bien, le personnage qu'il fallait donc deviner, que Jira a choisi, c'était... C'était en effet Liné. Donc, GG Méline. La semaine prochaine, ce sera toi qui choisiras. Alors, je vais écrire maintenant que c'est toi qui as deviné pour Liné. Alors maintenant, en effet, j'ai ajouté un nouveau tableau à mes tableaux que j'avais déjà. Maintenant, je me note qui est passé. Alors, on essaye de te reposer quand même. Ouais. Oui, Luma, c'est vrai, il vaut mieux se reposer. Alors, ensuite, on va donc passer au prochain. Alors, juste un instant, le temps que je change. Alors, le prochain, c'est donc Luma qui avait fait la proposition. Eh bien, Mei, c'est donc à nouveau à toi. Quelle est donc la première question ? Alors, tu hack le jeu, c'est pas possible. Alors, j'ai même pas envoyé de réponse nulle part. GG Méline, ouais. Alors, il y a eu des chèques qui sont passés en MP. Non, c'est faux. Il n'y a pas eu du tout de chèques. Je vous l'assure. Je suis très honnête. Alors, est-ce un dendro? Eh bien, non, ce n'est pas un dendro. Du coup, je vais retirer tous les dendros que nous avons. Et malheureusement, on va devoir dire au revoir à Alitime. Ouais, désolé. Alors, non, pas ici. Hop, au fond. Ah, j'ai oublié. Il y en avait un autre. Voilà. Et désolé aussi pour KB. Bon, et bien voilà, tous les dendros sont partis. Et bien maintenant, on passe à Ruby. Ruby, quelle est la question? Non, pas mes BG. Oui, sniff. Alors, question de base, est-ce un BG? Donc, est-ce un beau gosse? Eh bien,
Non, ce n'est pas un BG. Donc je vais retirer tous ces messieurs. Alors déjà, ceux de devant, va leur dire au revoir. Ils reviendront, ne vous en faites pas. Ensuite, ici, on avait des BG. Et non, je n'ai pas choisi mon nevis, ça aurait été trop évident. Riosley, non! Eh ben si, il va partir malheureusement. Eh bien, Fréminé n'est pas un BG à ce qu'il paraît, selon le sondage. Donc je le laisse. Et après, du coup, en haut, on en avait. Alors, Sino aussi va partir. Et Nomade à la fin. Voilà. Rip les BG. Et donc, Fréminé, je le laisse parce que par rapport au sondage, Fréminé fait partie de ceux qui ne sont pas dans les BG. Voilà. Donc, il reste là. Eh bien, maintenant, on va donc passer. Donc, pas à Luma, parce que c'est Luma qui a proposé cette carte. Si Mathieu, il est là, il peut dire sa question. Sinon, on passe directement à Tao. Alors, je crois que Mathieu n'est plus là. Ouais. Du coup, Tao, c'est à toi. On va être à court de salle à l'hôpital si tous les fans de BG font une crise de BG. Oui, je suppose aussi. Tao, vas-y, la question. Alors, je t'écoute. Plutôt, je te lis. Charlotte, tu es vraiment sûre? C'est ton dernier mot? Eh bien, le personnage qu'il fallait donc deviner était. Ce n'était pas ce Charlotte. Donc, on va passer à la personne suivante, du coup. Alors, donc, c'est à. Jira. Jira, c'est à ton tour maintenant. Alors, quelle est la question? Jira qui réfléchit. Alors, j'aurais plus de 10 fraises. Oui, c'est nul, mais vous avez l'habitude. Ah, je comprends. Donc, tu voulais me faire une blague. Bon, je suppose que tu as déjà une idée de ce que tu vas dire. Maintenant qu'on parle de nourriture, j'ai une petite faim. Il est que 18h15. Ah. Alors, est-ce une sumérienne? Aha! Est-ce que c'est une sumérienne? Eh bien non, ce n'était pas une sumérienne. Du coup, elles vont toutes partir maintenant. Alors, hop. Donc voilà. Plus de Sumérienne. Ça se joue entre quatre personnages. Et maintenant, c'est à Mei. Alors, Méline, quelle est ta question?
Chouette, je vais pouvoir faire ma blague. Est-ce la fan de Neptune? Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Le personnage qu'il fallait deviner, ce n'était pas Furina. Malheureusement, ce n'est pas l'épouse de Neptune. Et donc maintenant, on passe à Ruby. Ruby, c'est à toi de voir la question qui va jouer. La carte sera-t-elle devinée? Est-ce Linette ou est-ce Fréminée? Je t'écoute. Quelle est la question? Alors, Fréminée, je sens le troll là au milieu. Pourquoi le troll? Tu me connais mal. Alors maintenant, j'ai envie d'un qui est-ce Starray, juste pour pouvoir demander est-ce mon mari? Bien, il se peut que je le fasse bientôt. Il faut juste avoir le temps de faire tous les screens et les cartes aussi. Ça va être chiant pour faire les cartes par contre. Il faudra me laisser un peu de temps quand même. Hein. Alors, dis-toi que tu as pu faire ta blague, même si tu as pas trouvé. Oui, bah, je pense que c'est bien quand même. C'est une manière de gagner. Alors donc, Ruby... Le personnage qu'il fallait deviner, c'était Linette. Et non, c'était pas Fréminée. Alors, yes, dans qui est-ce? Oui. Et il sera deux fois en plus, parce que on va mettre les deux formes, bien sûr. Bon, et bien voilà. Il n'y a pas eu de gagnant cette fois. C'était G de la 6. En bikini. Alors, oh, trop bien, ça veut dire Blad aussi. Oui. Alors, mon chat s'accordait avec celui de Jira et c'était même pas fait exprès. Bah, tu vois, je me disais la même chose. J'avais envie de rigoler. Alors, à présent, on va donc passer au qui est-ce avec les BG. On va faire une petite partie. Donc voilà, tous les BG qui ont été sélectionnés. Et donc ceux qui ont été éliminés lors du sondage. Le premier était Xingqiu. Je suis terriblement triste pour lui. Bah oui, moi je l'ai trouvé BG quoi. Non mais je rigole. Alors ensuite il y a donc Fréminée également. Donc je l'ai dit un peu plus tôt. Après, il y a également... Mika qui a été éliminée. Et le dernier, c'était Razor. Oui, il a été enlevé. Et donc voilà, tous les autres y sont restés, comme vous pouvez le voir. Alors, on va donc commencer une nouvelle partie. Qu'est-ce que Fenty ici au juste? Eh ben, ils l'ont choisi. Alors, c'était combien de votes qu'il avait eu d'ailleurs, ce Fenty? Et il avait eu 8 personnes qui ont voté pour lui. 8 votes pour Venti. Oui. On dit un Venti, lol. Ouf, je suis soulagée. Tous mes BG sont restés. Ah bah, tu vois, c'est bien. Alors, et puis un ventilateur, c'est BG. Tout à fait, c'est très BG, un ventilateur. Donc, on va commencer par, du coup, bah, Jira, vu que c'était toi, en réalité, le premier. Jira, quelle est la première question? Alors, ils ont tous survécu pour leur princesse. Alors, Jira, la première question, est-ce un homme? Eh bien, oui. Mais du coup, je ne peux supprimer personne, étant donné qu'ils sont tous supposés être un homme, même Venti. «
Alors, on peut retirer Venti du coup. Non, non, on le laisse. C'est un homme jusqu'à preuve du contraire. Donc, il reste. Eh bien, donc maintenant, on passe à Mei. Méline, c'est à ton tour. Alors, non, mais quelle question! Oui, tout à fait, je suis d'accord. Quelle question! Ce pauvre Venti, il n'a rien demandé! Alors, des preuves du contraire, je suis sûre que Jira pourrait trouver quelque part. Alors, est-ce un taille-adulte? Méline, je suis vraiment navrée, mais ce n'est pas une taille-adulte, du coup, on va devoir leur dire à eux tous au revoir. Ils seront pas restés très longtemps. Alors, eh bien, on va donc dire au revoir. D'abord, je vais commencer par ceux du fond. Donc, on dit au revoir à Keia. Alors, j'ai envie de demander, dans Honkai Impact, c'est une fille. Non, mais c'est dans Honkai Impact! Alors, j'ai fait la question la plus utile de toute cette partie de qui est-ce? Non, mais pas au revoir! À Frisley deux fois! Bah, si, malheureusement, il part. Il y en a beaucoup qui vont partir d'ailleurs. Voilà. Et donc ensuite ceux du milieu. Ah, je vais te déprimer là. Le BG, c'est censé être les grands. Eh ben oui, mais il y en a qui ont eu beaucoup de votes et ils n'étaient pas forcément grands. C'est vrai, ça, tout à fait d'accord. Alors, sachez que dans ceux qui ont eu le plus de votes, il y avait Albedo, qui n'est pas une taille adulte. Il y avait aussi Chao, Kazuha et Liné. Et ensuite, il y avait Vrislet. Ils ont eu 13 votes. Donc, ça ne veut rien dire, les tailles adultes. Et donc. Et j'avais justement mis ceux qui avaient eu le plus de votes devant. Voilà. Donc il n'y a plus de taille adulte. Eh bien maintenant on va donc passer à Ruby. Quelle est la question? Alors pourquoi vous vous faites du mal comme ça à vouloir tenter le risque de suppression de BG? Est-ce un animal? Oui, c'est un animal. Eh bien, du coup, je vais retirer tous les animaux. Non, tous ceux qui ne sont pas animaux. Hop. Alors ici, il n'y a que 6 nouveaux. Vive animaux. Hey, hey. Tout à fait, je suis d'accord avec ça. Hop, et voilà. Et maintenant, c'est au tour de Luma. Quelle est la question? J'hésitais entre Chao, Kazuha et Eizu, ça m'aide en rien. Oui, en effet. Les trois sont très bien. Mais tu ne peux en choisir qu'un. Les Animo Boys. Oui, c'est un nouveau boys band. Mais les animaux n'utilisent pas l'eau. Animo, Anémone. Oh, c'est si rigolo. Ah. Alors, du coup, je vais dire ciao par principe. Oui. Est-ce que c'est ton dernier mot, Luma? Oui. Alors, le personnage qu'il fallait deviner, c'était
c'était pas ciao, malheureusement. Et du coup, maintenant, on passe à Tao. Tao, c'est à toi. Quelle est la question? Alors, Ryu, faut un qui est spécial Genshin Impact avec des moustaches et c'est moi qui ferai les dessins. Tu sais que le pire dans tout ça, c'est que j'y ai pensé hier, quand tu faisais tes petits dessins, je me disais ah non, mais il va nous faire un qui est avec tous les personnages de Genshin avec une barbe et des moustaches. J'y ai pensé. Et donc, Tao, tu dis Venti. Tu es vraiment sûr? C'est ton dernier mot? Alors, je vote pour, comme ça, ils souffriront tous comme j'ai souffert hier soir. Ok, Luma. Eh bien, Jira, je te laisse faire les dessins. Je t'enverrai le format de carte et tu n'auras plus qu'à faire, du coup, les petites moustaches de chacun. Les pauvres, on va souffrir. Alors, du coup, Tao, tu disais Venti. Eh bien, la carte qu'il fallait donc deviner en BG, je rappelle, ça n'était pas Venti. Et maintenant, c'est à nouveau le tour de Jira. Jira, quelle est la question ? Merci pour votre soutien. Alors, ouf, ça me rassure que ce ne soit pas Venti. je crois qu'il avait déjà été... je l'avais déjà mis peut-être une fois. Non, c'était pas lui. C'en était un autre. Alors, nomade. Eh bien, est-ce que c'est ton dernier mot, Jira? Mais pourquoi vous n'aimez pas Venti? Bah ouais, il est génial Venti, c'est un BG selon 8 personnes. Il faut le rappeler. Donc, Jira, tu es certain. Tu as choisi Nomade et le personnage a deviné. Ça n'était pas Nomade. Dont notre Seigneur à tous ultra. Oui. En effet, Venti est censé être un BG aussi, selon Ultra. Selon la Bible Ultra. Alors, Ruby, c'est un alcoolo surtout. Alors, on va dire plutôt que c'est un connaisseur de vin. D'alcool en général. Alors, je l'aime bien, mais bon. Alors, maintenant, c'est au tour de Méline. Méline, c'est à toi que revient... La décision, la dernière question. Qui est le BG? Alors, Lima, c'est pas que je ne l'aime pas, c'est que c'est pas un homme mais un esprit élémentaire qui ressemble à une fille et en même temps une dans un autre. Dans un autre jeu. Alors Méline, non, je les adore tous les deux. Bon, ben, plouf plouf, Eizu. Tu es vraiment sûr de ton choix? Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Eh bien, le personnage qu'il fallait deviner était... C'était... Kazuha! Bien voilà. Donc il n'y a eu personne qui a deviné. Il était dur celui-là du coup. Est-ce que vous voulez faire une autre partie de qui est BG? J'aurais dit lui. Ah, tu aurais dit, Ruby Kazuha. C'est vrai. Il avait eu 13 votes, lui. Il faisait partie de ceux qui en avaient le plus.
Alors, vous me dites si jamais vous voulez une autre partie, sinon on fait un autre truc. Alors, oui, encore une partie. Ok. Eh bien, on va donc remettre les cartes. Alors, moi maintenant, je vais choisir un nouveau personnage. Alors, qui on n'a pas mis jusqu'à présent? Lequel n'a pas eu la chance de passer? Je ne peux pas choisir Vrisley. Ce serait trop facile. Eh oui. Alors, du coup. Alors, faut ajouter un thème du vendredi soir Monopoly. Ça va durer 5 heures. On en aura marre. Au bout de 5 heures, ça va mettre la partie au... On va mettre la partie au bout de 5 heures et à la fin, on rangera le jeu parce qu'on aura la flemme de finir la partie. C'était à chaque fois comme ça en Algérie. oui. Il y a d'ailleurs une application Monopoly, je crois. Donc j'ai choisi la carte qu'il faut deviner. Et on va donc commencer par Gira, à toi l'honneur. Première question. Vous choisissez le deuxième mari de Luma. Ça serait trop facile. Alors vas-y, trouve en premier. Vira, tu laisses ton tour à Tao? Ou tu veux quand même poser la question? S1 Opan, S1 Inazumien. Ok, S1 Inazumien. Alors, la question, c'est qui est mon deuxième mari? Très bonne question. Alors, donc Gira, tu disais, est-ce un Inazumien? Eh bien, ce n'est pas un Inazumien. Donc, je vais retirer tous les Inazumiens. Alors, donc, bah oui, c'est pas Kazuba cette fois. Au milieu. Hop. Donc lui, non. Ah oui, il y a aussi Ito qui est d'Inazuma. Non, lui, non. Et après... Ah ben, il y a Goro aussi. Voilà, je crois que j'ai enlevé tous les Inazumiens. Ouais, je pense que c'est bon. Alors, on passe du coup maintenant au tour de Méline. Méline, quelle est la question? Avec le... La polygamie, il y a plusieurs réponses possibles. Attends, on dira rien à Dan Egg à propos de Neuvillette, Chao et Aletam. Ah ouais. Alors, Luma, si je devais en avoir un, oui, ce serait lui. Mais j'ai abandonné tous les BG du monde pour avoir Dan Egg, donc je n'aurai jamais de deuxième mari. Alors, Méline, tu dis une taille adulte. Et la réponse est oui. Cette fois, c'est bien une taille adulte. Donc maintenant, on va cette fois dire au revoir à tous ceux qui n'ont pas une taille adulte. Alors, hop.
Oui, soulagée. Ah oui, j'allais pas le faire deux fois quand même. Je suis pas aussi méchante. Alors ensuite, bah, cette fois Venti va donc partir. Et à la fin, il y a donc Tignari. Et voilà, maintenant il n'y a que des BG. Alors, maintenant c'est au tour de Ruby. Quelle est la question? Alors c'est bon, les hôpitaux ne sont plus surchargés maintenant, les BG sont là. Ouais. Merci de l'information, Geonite. 3. Alors, Ruby. Alors, mon mari, je reste dans votre thème de discussion. Ah, donc tu dis Diluc? Est-ce que c'est ton dernier mot? Oui. Ok. Eh bien, le personnage qu'il fallait donc trouver, c'était... C'était Diluc! Au départ, j'allais rechoisir Thomas, comme la semaine dernière. Et après, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi je mettrais pas Diluc à la place? Donc voilà. Et GG Ruby. Alors, quelqu'un qui se réveille de son lit, hôpital, et qui voit un BG, je suis au paradis! Ah non, il est vivant! Le meilleur! Oui! Alors, décidément, les maris, c'est la réponse à tous! Ouais, il faut croire que oui. Bon, eh bien, je sais ce que je mettrai la semaine prochaine. Je mettrai les maris de tout le monde. C'est un très bon choix, comme ça. T'es venu au bon live. Ouais. Alors, du coup, à présent, on va retourner sur le choix, peut-être des mini-jeux. Quand est-ce que vous allez partir en vacances? Mon mari, comment ça va? Ben, c'est la réponse à tout, mon mari. Oui, il y a du monde aujourd'hui. Quand je viens, il y a quasi personne. Alors, Tao, je suis pour un qui-est, juste avec les maris-femmes. Il va falloir que vous m'envoyiez... tous les noms que vous voulez. Et il faut que le total ne soit pas de 20, plus de 24. Parce que je veux pas en mettre plus. C'est invivable sinon. Non, pas avec des moustaches. Un peu de respect quand même. Alors, du coup, on va repasser au vote. Si jamais vous n'avez aucune idée de ce qu'on fait pour la fin du live, bien c'est moi qui choisirai. Donc vous faites le vote S à ce moment-là. Alors le respect, paix à son âme. Oui, c'est vrai qu'il est mort il y a très longtemps, le respect. Je m'en rappelle pour une fois que je me souviens de quelque chose. Ah ben, c'est facile de ne pas dépasser 24 puisque Luma l'a dit, elle n'en a plus dans Genshin. Oui. Ouais que ça, on enlève beaucoup. Il y aura à peine 5 ou 6 persos.
Alors, clin d'œil, clin d'œil, du coup, il y a plein de place, n'est-ce pas, Lua? Il y aura moyen de mettre Dan Heng si c'est un spécial mari-femme, non? Je suppose, oui. Et tu pourras même mettre les deux formes de Dan Heng. Vu qu'il y aura pas mal de place. Alors, ah, tu votes pour le plouf-plouf. Ok, Tao. Le plouf-plouf, c'est tirage au sort, du coup. Oui. Le vote S, c'est le vote blanc. Ah, Melinto, si tu votes le hasard. Ok. Votez S, vote suisse. Comme ça, c'est moi qui choisis. Et le sondage est malheureusement fini et il y a eu une égalité. Et vu que c'est égalité, eh bien c'est plouf plouf du coup qui l'emporte. Donc je vais faire un sondage pour voir ce qu'on va faire. Ah là là. Alors, terminé. Là. Alors, hop. Du coup, j'avais préparé ceci. Alors, faut juste que je le trouve. Il est là. Oui. Oui, j'ai intégré le plouf-plouf sur le live. Alors, d'ailleurs, peut-être que d'ici la fin de l'année, je vais essayer de reprendre la construction du jeu dont on avait commencé à créer et qu'on a arrêté à cause du hack de mon compte. Ça vient de me revenir, elle est finie un an plus tard. Mais voilà. Ah ben, je serais partante pour recommencer à jouer à ce jeu. C'était amusant. Et je commençais un peu à avoir l'habitude. Donc c'était bien. Alors, du coup. Alors, il faut juste que. Voilà, c'est ça. Ah! Alors. Sur un jeu de rein, alors que pour une fois je suis pas devant mon PC. Ah mince! Alors, c'est de toute beauté. Eh bien, on va voir. Le jeu des pères. Ah oui, ça faudrait que ça fait longtemps ça. Alors, on va commencer. Hop. On va voir ce qu'il va choisir, plouf plouf. Oui, ça marche comme ça. Alors, je crois qu'il n'y a plus la place pour voir toute l'image. Dommage. Alors, hop. C'est bizarre qu'on voit pas tout. C'est étrange qu'on ne voit pas tout. J'en avais rajouté un dernier en bas et il s'est pas mis. Alors, je réessaye à nouveau. Non. Eh bien, je peux pas en mettre plus, on dirait. Bon, eh bien, c'était quoi les autres? Ah, c'était les autres mini-jeux, ceux qu'on ne fait pas du coup à Teva. Alors les paires, ça va durer beaucoup trop longtemps, donc tu peux enlever. Ouais, c'est vrai ça. Alors je vais mettre les autres du coup. Ah, mais il se met pas. Alors peut-être que la page, on ne la voit pas. Ça doit être ça.
On ne voit pas tout, je suppose. Donc, ça veut dire qu'il a mis les autres mini-jeux plusieurs fois. Bon, je vais devoir tout recommencer, je pense. Ah, ça marche pas. Chier. Bon, bah c'est la dernière fois que j'utiliserai cette fonction. La prochaine fois, je ferai différemment. Eh bien, du coup... Ah, attendez. Mais je viens de m'apercevoir, il n'y a pas l'icône pour faire le tirage au sort. Déception. J'avais pas remarqué qu'il apparaissait pas ce con. Bon, eh bien... Je vais devoir recommencer le plouf plouf. Il marche pas. Il n'y a pas le bouton pour envoyer le tirage au sort. Bon, bon, bon. Ah là là. Les aléas du direct. J'aurais dû tester avant. Alors, juste un instant, je remets les choses... Alors, j'en ai une machine au... à hasard, c'est mieux. J'essayerai la prochaine fois, dans ce cas. Alors, hop. Alors, du coup, vous n'allez pas voir ce que je fais. Voilà. Alors du coup, c'est quoi qui va être choisi? Les mini-jeux en sérénité hier. Luma, tu disais donc que tu n'étais pas devant ton ordinateur. Alors, est-ce que vous êtes, vous, les autres, devant votre ordinateur? Sinon, je refais le tirage au sort. Qui est devant son ordi? Alors, Ruby, ok. Devant mes toilettes. Ah, très bel endroit. Tao, Méline. Oui. Ok. Ben, du coup, si ça vous va, on va faire les mini-jeux en sérénité hier. Alors, les mini-jeux en sérénité hier, il y en a donc plusieurs, comme vous devez vous en douter. Alors sinon, 2 minutes, le temps que je l'allume. Oui, ok, ça marche. Parce que maintenant qu'on a choisi l'activité, il faut choisir le mini-jeu en sérénité hier. Et le 7 erreurs, je pense pas qu'on va le faire. J'en ai pas préparé un d'avance. Aïe. Alors, eh bien je vous remets. Vous me dites ce que vous voulez. Méline, tu laisses ta place. Ok. Bien. Eh bien, je vous laisse choisir entre les mini-jeux qu'il y a en sérénité hier, actuellement. Peut-être que vous les avez oubliés. Depuis le temps. Moi, par contre, j'en ai oublié certains, donc comme si je faisais le jeu pour la première fois. Ah, mais je crois qu'un 7 erreurs, j'en avais peut-être fait un. Tu n'en connais aucun, Ruby. Alors, je viens que si je prends la place de personne, je viens pour compléter. Ok. Alors, moi je vais aller vérifier quelque chose pendant ce temps. Je vais aller vérifier si j'avais fait un 7 erreurs. Un 7 erreurs.
Alors, eh bien, je ne pense pas que j'en ai un de près. Attendez. J'en ai trouvé un. Alors, ah, c'est un avec des fleurs, du coup c'est en extérieur. Ouais, j'avais mal compris. Pleure contre son nounours. Oui, mais ça fait sourire quand même cette petite blague. Et donc oui, il y a hein, cette erreur. Mais c'était pas une blague, c'était un jeu de mots, non? Alors, le sondage est déjà fini, ok. Eh bien, c'est vote suisse. Le cette erreur risque de durer trop longtemps. Donc, je pense qu'on va pas faire ça. Ouais, c'est mieux. Et on a perdu pas mal de temps. Bon, bah, vu que je n'arrive pas moi-même à me décider de ce qu'on va faire, je pense que le plus simple, c'est de se dire une bonne soirée et on se voit la semaine prochaine. Dimarin a préparé une théière pour faire la terreur. Ah ah. Bon, mais en tout cas, il y a un set erreur qui est prêt. Alors, on est trois à avoir voté un. Alors, attends. Ah, il y avait le cache-cache avec Toby. Ah oui, je l'avais pas vu. Bien, merci Luma. Il y avait le cache-cache avec Toby. Bon, bah dans ce cas, si ça dure pas trop longtemps, on fait ça. Alors, faut juste que je vois lequel. Bah, on va faire celui de Sumeru alors. Alors, un instant. Voilà. Alors, c'est quoi les règles? Eh bien, c'est le cache-cache. Il y a Toby dans la sérénité hier et il faut l'attraper. Et celui qui en a le plus, il gagne. Alors, non, c'était pas le bon endroit. C'est là. Voilà, c'est ici. Ouh, quand ça fait longtemps qu'on ne vient pas. Même quand c'est ta sérénité hier, tu ne comprends plus rien. Qui veut du coup venir compléter l'équipe? Alors, la personne d'eau qui veut rejoindre, vous êtes sûr? Je ne sais pas. Levez la main! Alors, faut s'amuser, c'est le plus important, le reste, pas besoin. Ok, eh bien, on attend donc Luma. Alors, je vais remettre le son du jeu, je pense. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Alors. Ah, le petit emoji avec Vresley. Bon, alors donc, dans cet endroit, vous allez avoir les petits Toby. Maintenant, on a Neuvillette. Alors, on va avoir donc les petits Toby à attraper. Tout le monde est prêt. Alors, on va regarder qui avait gagné la fois d'avant. Bien, vous avez vu, hein?
Il y avait souvent Jade qui gagnait, mais il y avait aussi Luma. On va faire attention donc. Allez, j'enlève tout et on commence. Bonne chance. Alors, est-ce qu'il y en a un en hauteur? Eh ben non. Je me rappelle même plus où je les ai mis. Ah, il y en avait un en hauteur. Ah, mince, je me suis fait avoir. Alors, ah, je l'ai vu, celui-là. Il est à moi. Voilà mon premier. Alors, ensuite. Est-ce qu'il y en a un là-haut? Oui. Est-ce que je vais réussir à l'avoir avant qu'il disparaisse? Je pense qu'il va disparaître. Oui. Il est parti. Bon. Ah. Alors. Ah, il est là. Oui, ah, enfin, tout juste. Mince. Alors. Alors, donc c'est Tao avec 11 Toby qui gagne, suivi de Luma avec 10, moi avec 5 et Ruby avec 5. Eh bien, GG Tao. Je pense que c'est la première fois en plus que tu gagnes. Bien, bravo, hein. Je veux ma revanche. Eh bien, d'accord. On va donc faire la revanche. Je vais lancer la revanche. Alors, c'est là-bas. Ça, c'est la force de Vrislet. Oui. Alors, c'est parti pour la revanche. Ah, on a un spectateur ici et l'artiste là. Je vais les laisser se disputer le Toby.
j'ai plus d'endurance. Ah, voilà, c'est bon. Ah, il y en a un autre là. Ah, c'est bien, j'ai plus de chance cette fois, j'ai remarqué. Ah, non, pas ici. Ah! Bon. Je cours pas assez vite. Guenyu, t'as mangé trop d'herbe! Alors, ah bah. Luma a eu sa revanche. 14 Toby. Tao, 13 Toby, très bon chiffre. Moi, du coup, j'ai fait un petit peu mieux que tout à l'heure. 9 Toby. Et Ruby, 4 Toby. GG à Luma. Ah, c'était serré, hein, entre vous deux. Bon, eh bien. Je pense que maintenant on peut faire une petite photo peut-être de groupe, hein, si ça vous va. Alors on va prendre la petite table ici. On va s'asseoir et faire la photo de groupe. C'était une tradition il y a de cela plusieurs siècles. Allez. Alors c'était serré comme la première partie. Oui, je suis d'accord, Tao. Vous aviez toujours un seul Toby d'écart. Alors, du coup, moi, je vais faire mes petites photos. Alors, quand même, on a deux persos de Fontaine ensemble. Non, non, trois persos. Hop. Et ça fait deux cryos et deux hydros. C'est rigolo. Mais en même temps, vous choisissez toujours des persos cryo pour les lectures de répliques. Photos de famille, eh oui. Bon, bah moi c'est bon, j'ai fait mes photos. Et vous, est-ce que c'est bon? Bon bah je pense qu'on peut terminer là. Je vais aller sur la page de fin de live à présent. Alors, c'est ici. Du coup. Oui, je sais que vous faites n'importe quoi à la fin du live. Est-ce que je devrais montrer ce qui se passe en arrière-plan? Voilà ce qu'ils font. Oui, très joli, hein. Ah tiens, il y a un crabe. Magnifique. Bon, eh bien, je vais retourner sur la page de fin de live. C'est donc ça l'anarchie. Oui. Mais ça va, c'est très joli à voir. Alors, du coup, c'est la fin du live. Il est 19h06 et il fait très froid en France actuellement. Bon, en tout cas, pas assez pour qu'il gèle, heureusement. Alors, couvrez-vous bien, parce que sinon, vous tomberez malade. Bon, je reviens donc au live.
La semaine prochaine, j'invoquerai du coup Furina, en espérant que je gagnerai mon 50-50, encore une fois. On verra si la chance est là, sinon il faudra la kidnapper. N'est-ce pas, Méline? Alors, merci pour l'instant, c'était cool de voir, de tous vous voir. Oui, et je remercie tout le monde aussi d'être resté jusqu'à la fin. C'est vrai que c'est pas tout le temps qu'on est tous ensemble. Alors, célèbre Archon Dendro. Oui. Eh bien, du coup, je vous souhaite une bonne semaine et surtout bonne soirée en ce fin de dimanche. Et reposez-vous bien. Allez, bye bye, ciao !